téléspectateurs de Conakry Nouvelle. Assalamu alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Khaya Khadija, assalamu alaykoum. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nouvelle. Aujourd'hui, on est où? On est dans quelle commune d'abord? Aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Ratoran, bien sûr. Bien sûr. Uh-huh. Voilà. Aujourd'hui, oui, on a une très grande surprise encore pour vous pendant la lecture. Et aujourd'hui, nous sommes que deux. Il n'y a pas Sali, il n'y a pas Imam. On y va. Sali. Qui va fermer dans son vie? Moi, je dis qu'il n'y a pas Sali, il n'y a pas Imam. Sali, il est correct. Mais non, moi, celle de Guife, on a fermé sous celle-y aller. Les lettres au cadre d'une femme à Bétiné. Est-ce que tu as vu les soucis de ton sali? Sali, il y a ce qu'il y a de la vie. Aïe, ça pour la vie. Les lettres au cadre d'une femme à Bétiné. Les lettres au cadre d'une femme à Bétiné. Les lettres au cadre d'une Kadi, on t'a informé les fans de Conakry Nouvelle. Déjà, quelqu'un du côté de Maryland nous a offert deux complets. Un complet pour Colon Sodia et un complet pour Mama Pessé. Merci Maryland. Félicitations à elle. Il y a une dame, une grande dame qui a pensé à elle. Merci. Voilà. On est où? Aujourd'hui, nous sommes dans la commune de... Ah, voilà ma 500 000. Il n'a pas la mou 500 000. Ma toto. Ah! Si c'est Ratoma. Et Ratoma. Et ça lui fait 500 000 là. Voilà. Kadi, on va chez quelqu'un. Uh-huh. Il a déjà passé dans cette émission. Oui, mais c'est l'année passée, mais il a besoin de la promotion. Oui. Parce que sa dédicace est presque arrivée. Donc, il a besoin de communiquer. Nous avons juste le nécessaire de passer chez lui. Voilà. Mais est-ce qu'il y a une bête, Iba? Tout, photo. Hein? Ah, parce qu'il y a une colonne. Il y a une bête, Iba. On va voir. Voilà. Il y a quoi ici pour nous? Faut déballer. Wow. Ça c'est Keke Berki Fay. Ah, Soumayana ya. Ça c'est le barabare. Oh, Allah guido. Ça c'est le bonte. Le bonte. Ça c'est la sauce graine. Wow. Félicitations. Ça c'est Madandi. Madandi Mouyadi. Merci. Félicitations qu'on a cru de belle. Il m'a le col tabou, il m'a le yigle dit. Mangue. Celui qui s'appelle Irbin. Ah, Irbin. Ah, oh. Madame, ce n'est pas la première fois, je crois que c'est la deuxième fois aujourd'hui depuis que je fais une telle interview avec Conakry Nouvelle. Et c'est un plaisir pour moi parce que à travers cette émission, j'ai eu des amis, des connaissances qui datent depuis 10 ans, 15 ans, qui m'ont retrouvé à travers l'émission. Merci, one time prêt. C'est un plaisir. Et je promets à Conakry Nouvelle
l'année prochaine, le Ramadan prochain, quand vous allez venir ici, vous allez trouver madame juste à côté. La promesse est une dette. À réaliser. L'année prochaine, il dit qu'on trouvera madame. Même temps, si nous venons, nous ne trouvons pas madame. Et puis, vous bloquez un nénèque. Parce que j'allais te poser la question. One time, pourquoi il n'y a pas madame ici jusqu'à présent? Non, ça, en fait, c'est. Ni ne guinéen n'y est ira. Kadi. Ni ne guinéen n'y est. Kadi. Ahmed Kide. L'année passée, nous avons acquis les imams. Nous dépensons les imams pour faire les mais nous avons acquis les imams. Nous avons acquis les imams. Cette année-là, on a dépensé, mais Imam Fereki plusieurs fois. Nous sommes Mourtani. C'est ça. Nous sommes Mourtani en Togo. Alors, quand on a fait, on a fait la mamara. L'année passée, on a fait un soto. L'imam a fait un bil na tourne. Tout va dire Mourtani. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلك لعلكم تتقون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ده وين ما يبلاشين المكان إبني يبلاش ما يبلاش وانت مودون تون دون تاو ماني 2 تون 3 تون دوري pendant la journée sous le soleil du coup après ça on va prendre ici voilà ah ok il y a une moto qui vient en journée on va ramener un ami là pour lui même chose on va faire l'attaque bon voilà il y a un nombre de deux Ah, le produit.
Bonté. C'est un peu de boulot. Bonté, Barabare. Bonté. Bonté, c'est en Amérique. Bonté, en Amérique. Oh, dear. Oh. C'est de la dynamique. Oui, oui, oui. Je suis en Amérique. Il y a un peu de temps. 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 Il y a un peu de Salam alaykoum, wa rahmatoullahi wa barakatou. Oui, je vais très bien, alhamdoulilah. Merci. Je rappelle aux téléspectateurs que ça fait la deuxième fois que nous venons. L'année passée, on était là. Cette année, on est revenu parce qu'il y a quelque chose en cours. Ce n'est pas à moi de vous dévoiler. Il va vous dévoiler cela tout à l'heure. Alors, Sali. Nam. How are you? No bad, sir. No bad, sir. No bad. No bad. No bad. It's fine. Hey, fine. Are you okay? I'm okay. Take it easy. Rambu, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ya Sayyidati al-Khadija. Alhamdulillah, nashkurullaha kaseera al-yawma nahnu ma'a Sayyidu Mukhanni Kabira bi-samma bi-kunyat one-time prayer. Abu Bakr Souma al-yawma huwa sammi al-an. Ana wallahi mabrouk. Abu Bakr. Tashakkurullah. Merci beaucoup. Tamam. Merci beaucoup aux téléspectateurs. Alors one time, on est très content de partager cette rupture avec vous. Vous avez un mot pour les téléspectateurs? Ben d'ailleurs, c'est moi qui vous remercie d'être venu chez moi. Et je remercie à tous les fans de Conakry Nouvelle. Je sais que chaque année, ils aimeraient à ce que leurs artistes, leurs personnalités puissent se produire devant vous. Ça, c'est chaque année, ça fait plaisir parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont à l'étranger, qui n'ont pas accès, qui ne voient pas les artistes, mais à travers votre émission. D'autres, en fait, se voient trop intéressés, ils voient leurs artistes communiquer. Moi, c'est le plaisir là qui m'anime beaucoup, 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 surtout quand je suis avec vous. Merci beaucoup, Mashallah. Alors, one time, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au Ramadan? Le Ramadan, c'est quoi? Ben, moi, ce que je peux dire par rapport au Ramadan, le Ramadan, je me dis que le Ramadan, c'est quelque chose de très, 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 très intéressant parce que à travers le Ramadan, on peut se reconstruire, à travers le Ramadan, on peut se rappeler de Dieu. À travers ce Ramadan, le mois béni, on peut se repentir, tu vois. C'est très intéressant, surtout moi personnellement. Ce Ramadan, ça m'a permis en fait de pouvoir corriger en fait des erreurs de 11 mois passés, tu vois, non, et essayer d'être encore plus positif, tu vois, à travers mes démarches et tout. Et je remercie Dieu, gloire à Allah. Il dit des erreurs, donc lui aussi fait des erreurs. Ben oui, personne n'est parfait en fait. Personne n'est parfait. Quand je dis des erreurs, en fait, je peux blesser ou bien je peux choquer de façon involontaire quelqu'un. Toi tu sais, on a fait des blessés de Dieu. Toi tu sais? Non, en fait je parle de ma personne en fait, tu vois. Quand je dis je peux commettre des erreurs, moi je peux être maladroit dans mes démarches, dans ma vision. Maladroit. Dans ma vision. Toi, tu connais de faire le maladroit. Ben oui, parce que je ne suis pas parfait, je suis un être humain. Moi, je ne fais pas de maladroit depuis que Dieu m'a créé. Tout ce qui est. Ah! Islam. Non, mais tu es là. 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 Tu es là
comme il t'enfant de l'enlire peut-être mon femme mais mon t'en rend colo mon dans wal robusi wal khabais mon mais mon dans ramène comme il t'a couyari alhamdoulillah comme il a colo al khabais wal robusi wal khabais comme il t'a couyari grande so a colo na sa ha e colo man bo te ba ka maradi il t'en nan lama ya fa la gibe il re ou ma prophète Il n'a même pas attendu. Ah, mais ça n'a pas attendu. Il n'a pas Prophète, mais ça n'a pas attendu. Il n'a pas attendu. Il n'a pas attendu. Il n'a pas attendu. Adama di pir mutan tamane ndena na de pala da dunia ma amutan ta allo san allo etanye mutan mumutan dal lo kere ima mu fenya gre ba lo kere ima mu yuro bito mo lo kere o ata adama di special o nyam nyam mena ndo on set me ki makulu nu ala makulu ya nyam nyam mena ndo on set me ko ala way e mo ko ne e mo ko ne wan tan Para me dito a moloi sama seli. No no no. Ala na na goro ko. Amo moloi ja ma fi ma. Okay, en fait, bon, nous avons déjà écouté notre ami, notre homo, Aboubakar Souma, il a très bien défini le ramadan. Ça, c'est juste une petite anecdote pour mettre les dents à récréation pour les téléspectateurs, pour ne pas trop concentrer ou être concentré à tout moment. Voilà, homo. Non, Mes activités actuellement pendant le ramadan, en fait, c'est le planning. Comme toujours, ça n'a pas changé avant même le ramadan, de la façon dont je mène mes activités. C'est de la même façon que je mène mes activités pendant le ramadan. Tu vois, à une semaine avant, chaque week-end, en fait, je fais un planning de lundi au vendredi, mes activités. Comme à l'école primaire ou bien au collège, mes emplois du temps et tout. Sauf qu'il y a des imprévus qui arrivent souvent. Mais je me focalise sur ça et je fais en sorte que je respecte ce calendrier pour ne pas être tout un peu dans le désordre. C'est comme ça que je fonctionne. Salut, maman. Dimanche, l'oré, pas le lundi, rend dimanche, n'a pas vu, 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 n'a pas vu. Parfois des imprévus peuvent venir. Comment tu as fait ça? Tu as écrit un crime. 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 Tu as écrit Politicien, pourquoi la musique? Bon, dans la vie, on ne choisit pas ce que nous voulons faire. Il y a certaines choses, en fait, ça vient tout naturellement. Après, la passion te guide, tu vois, sur ce chemin. Sinon, chacun de nous tous, à l'école, on a fait quand même un métier à l'école. Après, la vie aussi a son choix, tu vois. Donc, nous, on a étudié. Après, la passion, en fait, nous a dominé par après, qui est la musique. Et voilà, nous sommes là-dessus. On te dit, par exemple, il y a plus de 50 jeunes qui sont venus chez toi pour t'écouter. Pendant le ramadan, pour leur donner des conseils concernant sur les chemins de Dieu. Étant un artiste, étant la voix du peuple, quels seront les conseils que tu vas leur donner? Les conseils avec lesquels tu vas leur donner? Donne-nous un peu. Les conseils que je vais donner aux jeunes en fait, qui viennent vers moi, pour que je puisse en fait, les prodiguer des conseils, ce n'est pas compliqué. Tu vois. Et moi, j'ai grandi dans un milieu des vieux,
tu vois. Je n'ai pas grandi avec ma génération. Donc ce qu'ils m'ont appris, c'est ce que je vais léguer aussi à cette jeunesse. C'est de leur dire tout simplement, primo, il ne faut jamais faire du mal à ton prochain. Secondo, il ne faut jamais être jaloux de ton prochain parce qu'il est en avance par rapport à toi. Troisièmement, il faut toujours penser à Dieu, savoir que vraiment tu n'es pas venu comme ça, comment sur cette terre, que tu as un Dieu et le seul unique, quoi. Tu vois, non, moi, c'est les trois choses que je prodigue en tant que conseil. Parce que vouloir être jaloux de personne, c'est comme si tu es contre Dieu. Ce que Dieu a donné, l'autre, il t'a pas donné. Vouloir garder la haine, tu vois, non, contre ton prochain, Dieu ne peut pas te pardonner de ce que tu fais à ton prochain. Dieu pardonne ce que tu le fais. C'est comme un père et son fils. Quand tu fais quelque chose à ton père, il peut te pardonner. Mais quand tu fais à un enfant autrui, il faut que ton père se déplace pour aller demander pardon, tu vois, non, au papa d'autrui d'ailleurs. Donc, ne jamais faire du mal à son prochain, ne jamais garder la rancune ou bien être jaloux de son prochain et toujours mettre en tête qu'il n'y a qu'un seul Dieu et le seul et unique. Ouais. Tu as fait l'université. Quelle option? Sens au monde mental. Sens quoi? Sens au monde mental. Expérimental. Non, à l'université, quelle branche tu as fait? C'est ça. Quoi? C'est ça. Pose ta question. Merci. Il y a un magao. Très bien. Encore. Comme si la dunia bi nete ya ibara ron ko ibara ra fa bibri mi jitti ya mi jogi na kay mi na sorta université sorta ina me ce que wi mo fala ma mais wo khangal mi ya mi ntam mi ni ana ga tam mi na université ito mi ni sorta université donc itam ba ga dama ya ba ga ni ya la be ga la gine ya la ba i ga muslim ya dine be ine na mbir na mi ni isa khara université ka. Adama yama yo.
Hebara Adama to bende bani Adama yama yonde. Ina Adama to nyarara Adama yama yonde. Ina Adama to tiri Adama yama yonyo. Hefa Adama to sari Adama yama yonde. Ina Adama to nyarara Adama yama yonde. Ayama yonde Adama yama yonde. Ayama yonde Adama yama yonde. Ay bara Adama to bende bani Adama yama yonde. Ala tagi. Wante. Wallahi. Est-ce que imayon olorema? Le grand jour à la grande frontière avec beaucoup de bagages. Le grand jour à la grande frontière. À la grande frontière. Avec beaucoup de bagages. Avec beaucoup de bagages. Est-ce que tu penses à ce jour? C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on pense qu'il y a un seul et Dieu, l'unique, ce jour-là, tu vas y penser parce que un jour, tu vas te retrouver là-bas. Qui? Chacun de nous tous. Donc, ce jour-là, c'est pourquoi il faut cultiver en fait le positif. À chaque fois, faire son bilan, tu vois, essayer de s'améliorer pour que le positif domine, quoi. Oui. Est-ce que quand tu es seul, tu penses à l'univers? En pensant à l'univers, est-ce que tu peux toucher ton corps? Par exemple, tu penses qui a créé le ciel, qui a créé la terre, et tu touches ton corps. Tu vas te retrouver où? Où je vais trouver en place? Oui. Quand je pense à l'univers et que je pense à la terre, oui. Après, dans mon sommeil, c'est ça que je veux dire. Non, tu ne dors pas. Je ne dors pas, après, oui, je touche. Tu te concentres. Je touche mon corps. Oui, tu touches ton corps. Je me vois en fait planer. Je me vois planer avec Dieu, avec la nature. Mais ça aussi, ça n'arrive pas à tout le monde si tu n'as pas la foi. C'est quand tu as la foi, tu peux penser vraiment tout ce que tu es en train de dire comme ça. Tu peux ne pas avoir la foi. D'accord. Mais et que tu penses à ça, c'est ce qu'on appelle à Tawhid. Connaître Dieu. Fa'arifouni qabla an ta'abudouni. Fa'in lam ta'arifouni fa'kaifa ta'abudouni. Masha'Allah. Adorez-moi, connaissez-moi d'abord avant de m'adorer. Mais quand tu ne connais pas celui que tu vas adorer, mais comment tu vas adorer? C'est compliqué. Oui. Avant de faire un morceau, tu penses d'abord. Tu ne prends jamais un bic. Non. Voilà. Chaque instant, l'être humain doit penser le jour de sa mort. Chaque fraction de seconde. Oui, je peux faire un grand concert et qu'il y a milliers de personnes et que je tombe. Je ne finis pas le concert. Mes fans vont commencer à pleurer. Oui, Aboubakar. C'est pourquoi je dis, quand tu touches ton corps, tu trouveras que tu n'existes pas. Tu n'es qu'une petite personne. Donc, pourquoi pas faire du bien et choisir le grand jour. Garder, mettre dans notre compte bancaire pour le grand jour, étant la voix du peuple. Wallahi, quand on m'a dit, ça va être bon, mon bon, il a égorgé le nez, ma quoi, c'est ma quoi, c'est ma quoi, c'est ma quoi, Le problème, bien sûr. Je suis un peu plus de temps.
Tourne à France, né? À France, né? Ah. C'est bon? Attends. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs de Conakry Nouvelle. On vous remercie infiniment d'être toujours là encore avec nous aujourd'hui. La raison de la visite de Conakry Nouvelle chez One Time, c'est parce qu'il y a un grand concert qui se prépare le 7 mai, juste après la fête de Ramadan. Alors, nous allons demander à notre artiste l'organisation, comment la décision est venue pour, ce date, pour cette date et comment ça se passe l'organisation. Allah, il n'y a pas confinement, Baraba. Wallahi, Baratoro. Depuis Masigidi mini iwa mané amoura mo gi fooga ndo tondi confinement nare awam fan tondi donc heureusement que le confinement est mort, mais on a planifié la date depuis longtemps. On a préféré choisir le 7 mai 2022. Nous sommes en train de se préparer conséquemment. Il y a des sponsors qui sont venus, il y a des musiciens qui quittent en Côte d'Ivoire, Dakar, pour venir faire ce... Oui, attention. Madi Singhi, il y en a qui, hein. Album Tondi, c'est mon premier bébé. Donc, Merira Di Singhi, il y a un minimum à qui Fayana. Donc, je dois faire sortir cet album-là, tu vois, donc, avec la plus belle des manières. Donc, on se prépare le 7 mai, le premier samedi. J'invite tous les jeunes, toute cette jeunesse consciente, en fait, qui aime One Time, pour venir me soutenir au Stade Général Lansana Conté de Nongo. Stade Général Lansana Conté de Nongo. Le 7 mai, à partir de 14h. Mais si tu sais que tu ne peux pas venir, Sali, si tu sais que tu ne peux pas... Écoute-moi, Sali. Donc, si tu sais que tu ne peux pas venir, Sali, si tu ne sais pas que tu peux pas venir, il faut acheter 20 billets, 20 tickets, tu donnes à tes enfants ou bien les jeunes du quartier. On a dit soutenir aussi. Moi, mais tu fais même. Ça y est, la même femme. La rentrée, c'est comment? La rentrée, c'est 25 000 déjà, et tout est carré et tout. Et voilà, on espère que nous allons faire le plein et rentrer dans l'histoire positivement. L'album était fini depuis 2020, mais les deux ans qui ont suivi après Corona, il y a eu d'autres créations. Donc on est venu à 53. Donc on était obligé de tenir une réunion avant-hier, choisir 20 titres parmi les 53 de La La La. On est à 20 titres. Oui, vous forcez, ça c'est les extraits de l'album. Oui, oui. Ça y a fan naïama. Mais on t'a mardi. Quand on arrive, faranakin, ça y a, non fan naïama. Mais maman, tu vas pourquoi on t'a musigi ça en sombre et taillard? La gnaï, c'est que ça musi, miroura, tigi la mer, sombre et matoron. Viens, la musée n'est routan. Sombre et ton maman. Ta maman, ça y a ça. Donc, là, quand on s'en est tout qui. Ah, à quoi elle a fait? Quand vous avez dit que 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 vous avez dit Asta Jibolakum, Mangay Narafalara, Péota Mamadi Mouyane, artiste Wongeli, Wongmatoro. Noé Abima.
bakaro nde barasa ya album sulika niyo kona na kora na kona wo ngeli na wo yadi ye me ye na kelima ko enan na yina kelima ko enan na go ah elima kona rasa kene famma subhanallah adi imuna kelima koera subhanallah subhanallah marigi subhanallah walhamdulillah marigi subhanallah marigi subhanallah Alhamdulillah, Allah la ila, Allah la ila, Allahu akbar, ala kerempe. Allah la ila, Allah la ila, Allahu akbar, ala kerempe. Allah la ila, Allah la ila, Allahu akbar, ala kerempe. Où les Renault? Et où t'en as qui t'a fait connaître ça? Ça Moi, je préfère chanter. Ma bobo quoi. Parce que là, franchement, moi-même j'ai honte aujourd'hui. Ça fait 2 ans successifs que Conakry Nouvelle vient chez moi. Je suis toujours célibataire. Salut, on a tout, on a Mayagi. Allez, passez, mon topa, Guinée-Mouna. Guinée-Mouna. Et à la moi, ma Guinée-Rouen, Bakeni, ma Guinée-Rouen. Amourna, bêtisena. Lovna, Gawana. Ntamma bebe na fata masude malova na fata masude atofa ngalanga mabobo astile yalwa baisato atofa ngalanga mabobo sali mona na kwantini sali amma ranurine woto munyira Bébé m'a nourriné, Amara nourriné, Villa Mouira. Ta femme a nébiri na kushunam, et ma tante ma bébé kerena, l'ouma chama. Ka, ta m'a dit. Alors, one time, bro. La question suivante, pourquoi toujours pas marié? Comme je le disais tantôt, dans la vie, c'est une question de priorité, tu vois. Une question de priorité, il faut d'abord mettre en avant tes priorités. Moi, ma priorité, c'était d'abord comment est-ce que je vais faire sortir mon album. Pardon. Déjà que le jour de mon album, de ma dédicace, est connu le 7 mai. Après ça, la deuxième priorité viendra le mariage, mashallah. Et il y a une présentation. Je n'ai pas dit ça. Il y a une prétendance. What's your problem? Je suis un problème. Namara.
Toma. Alba blogi ha concert. Tinga fale be wantam kolo. Omo wari. Ita e kolo. Ah. Na na vlo omo wari. Wantam je peux dire. Merci beaucoup. On vous dit merci, mais toujours celle qui a pris, qui était là avant que l'album ne sorte, avant qu'il vienne à Conakry, c'est elle qui va rentrer l'année prochaine. Alors on la salue, coucou chérie. Alors merci beaucoup. L'année prochaine. Alors, Kadi a fait sa clôture. Alors, merci Nta Kadi, merci à tout le monde, merci les téléspectateurs, vous qui nous suivez à chaque fois, à tout moment. Nous sommes chez notre One Time, Aboubakar Souma, Haza Sami. Alors, nous avons un grand problème chez lui, c'est le problème de mariage. On ne sait pas s'il s'agit de choisir 1 mètre ou 2 mètres, mais j'espère bien que vous qui êtes en train de me regarder, ma soeur, viens me voir, hein. Je dois négocier pour toi. Parce que lui là, le que je vois. Oui, lui, il y a un tu sois bien. Non, là, tu sois bien. Alors, on vous dit merci. Bon matin à vous. La forestière, quand la voilà, c'est. Non, Oh!